Bonjour à tous, supportrices stéphanois, supporters stéphanois, Alex de Santé Inside, ravi de vous retrouver, ça fait un bon bout de temps. Alors ce soir, on ne va pas se retrouver pour une émission du Santé Night Club, on va changer nos habitudes, et croyez-moi que ce changement en vaut la peine. Alors vous le savez, parmi ces innombrables projets, Santé Inside, c'est aussi aller chercher d'anciens joueurs, ou personnalités importantes dans le milieu stéphanois, et de les interviewer pour vous faire plaisir. Alors on a eu la chance d'avoir Frédéric Piquion, Jérémy Janot, Bernard Lyons, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'interview. Voilà, on voulait revenir en frappant fort, en tapant un grand coup. Et celui qui est avec nous ce soir, vous le connaissez forcément. Vous nous l'avez demandé à l'entreprise, il nous a fait bouillir notre chaudron. Il a toujours fait son transfert à l'intersaison 2018, a été l'un des feuilletons les plus palpitants à suivre tout Mercato stéphanois confondu. Et son sourire et son jeu nous manquent terriblement. C'est Rémi Cabella, mesdames et messieurs, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Rémi. Bonsoir, comment ça va? Bah écoute, ça va Rémi et toi? Ça va très bien, très bien. Bah, je suis content d'être là. Bah écoute, franchement, merci, un énorme merci d'avoir avec répondu plaisir. Favorablement à notre demande. Je pense que ça va faire plaisir à bon nombre de supporters stéphanois. J'espère bien. Ah, il n'y a pas de doute hein, de revoir ce sourire, de voir cette tête qui nous est familière. Ça va faire sourire plus d'un et on est très content de t'avoir pour Santé Inside pour cette interview. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on revienne voilà, sur tes deux années vertes. Voilà, j'ai posé plusieurs questions, on va revenir sur plusieurs épisodes. D'ailleurs, à propos de Rémi Cabella, on l'avait relayé, hein, mais je vous suggère de voir l'interview qui est sortie au My Goal France. Voilà, c'est une interview d'une bonne heure, hein, Rémi, c'est ça? Ouais, ça a duré très longtemps. J'ai beaucoup parlé. Ouais, c'est ça. Où tu reviens sur ta carrière, sur ton enfance, sur ton passage au centre. Anecdotes surtout un peu. Exactement, donc c'est super intéressant, franchement moi je la regarde en entier et c'est un régal, donc allez voir ça, c'est toujours un plaisir d'entendre Rémi. Donc Rémi, on va parler de tes deux années vertes. Je dirais que j'ai joué 10 ans à Saint-Té, quand j'entends 2 ans j'ai l'impression que c'est court 2 ans. C'est ça qui est beau. Ouais, je te jure. Tu l'avais dit d'ailleurs, hein, tu l'avais dit, j'ai joué 2 ans à Saint-Té, mais j'ai l'impression que ça a duré beaucoup plus. C'est ça, c'est un truc de fou. Là, quand tu me dis 2 ans, dans ma tête, je réfléchis, je fais, mais j'ai joué que 2 ans à SMT. Et ouais, putain, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai joué 10 ans. Ouais, bah écoute, bah, c'est l'impression qu'on a aussi. D'ailleurs, ton arrivée à SMT, bon, voilà, tu arrives fin août 2017, si je dis pas de bêtises. Et si je dis pas de bêtises non plus, tu étais en balance entre SMT et Nantes. Nantes et Nice aussi. Et Nice aussi. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ce feuilleton-là, comment se sont en contact et pourquoi Saint-Té? Pourquoi Saint-Té? Alors, je vais t'expliquer une chose déjà de une, c'est que quand j'étais à Montpellier, quand je venais jouer au Chaudron, il y avait le président qui était dans les couloirs et qui me disait « Cabella, c'est quand que tu viens à Saint-Té ?» Le président, c'est Roland Romier. Ouais, Roland. Parce qu'il est plus proche des joueurs, Roland. Avant les matchs, il est dans les couloirs. Donc le président, il commence à dire, lui là, il va aller loin. Parce que j'étais jeune, j'étais à Montpellier. Il faisait que des compliments. À chaque fois, je le compte Saint-Té. Et je sais pas, il m'a toujours marqué, ce président-là. Dans la tête, il m'a marqué. Et c'est vrai que j'avais le choix. J'avais Nantes. Après, l'année d'après, j'avais Nice. Mais c'est vrai que, je sais pas, Saint-Té, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, je préfère Saint-Té. J'ai mis Saint-Té en premier dans mes options. Et il y avait tout qui correspondait, qui pouvait me permettre d'aller à Saint-Té. Et voilà, je regrette en aucun cas mon choix. Et je pense que ça a été le meilleur choix. Ouais, tu parles du meilleur choix parmi ces options. Est-ce que Oscar Garcia, il a pesé dans la balance? Tu l'as vu au téléphone? Ouais. Ah oui. Parce que j'étais,
J'étais au téléphone avec lui avant, parce que c'était à, il y avait la trêve, donc avant la trêve. Et il m'a convaincu parce que voilà, je connaissais à peu près de nom, mais je ne connaissais pas personnellement. Donc voilà, il m'a parlé, ça s'est super bien passé. Franchement, voilà, le courant, il est bien passé. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi, qu'il allait me faire jouer, me faire confiance. Et ça a été important, ça a été important pour moi. Et après, bon, je connaissais Brian Dabo qui était à Saint-Étienne, je connaissais quelques joueurs. Je savais que j'allais arriver dans une équipe où, voilà, il n'y avait pas à avoir de problème, tout allait bien se passer. Donc voilà, c'est vrai que le Oscar Garcia, il a été important aussi dans mon choix. Ouais. Et voilà, dès que je suis arrivé, ben, voilà, le courant est bien passé avec tout le monde. Alors, il est bien passé avec tout le monde, avec les joueurs, et on va parler d'un match particulier, un petit Saint-Étienne-Angers, ça te parle ou pas? Angers. Ah, ça me parle, bien sûr que ça me parle parce que voilà, Raconte-nous. raconte-nous. Bah, écoute, je viens d'arriver. J'ai toujours dit que moi, Saint-Étienne, le stade, quand j'étais bon, avec Montpellier, quand j'étais avec Montpellier ou Marseille, c'est spécial. Le chaudron, c'est spécial. Tu sais, tu vois, ces supporters, quand il y a un but qui descend, tu sais, ça te fait même à la télé. À la télé, quand j'étais plus jeune, quand je regardais les buts à la fin du week-end, il y avait tous les buts sur Canal, donc tu pouvais voir. Et tu voyais tout le temps cette tribune descendre. Et ça m'a toujours marqué. Elle m'a toujours marqué cette image. C'était un peu comme à Nice, mais là, c'est plus impressionnant à Saint-Étienne. Et je me suis dit, j'aimerais le vivre quand c'est moi qui marque. Et c'est vrai que ce premier match, en fait, mais déjà dans la semaine, j'avais l'impression que ça faisait un an que j'étais arrivé déjà. Franchement, c'était les joueurs, le staff, le coach, les présidents. Tous les dirigeants, tout le monde m'a mis dans les bonnes conditions. Et en plus, bon, je suis quelqu'un qui m'adapte très vite et surtout quand ça se passe bien. Et voilà, ben, écoute, mon premier match, 30, 35, 36, 37 secondes, tac, tac, tac. 1-2 avec Pajot qui me la met et je marque. Et c'est vrai que même là, quand je parle, là, j'ai un peu les frissons parce que j'arrive de Marseille. Déjà, je suis prêté par Marseille. Et bon, faut savoir que Saint-Étienne-Marseille, C'est pas trop. c'est un Ouais. peu la guerre. Et je trouve que les supporters de Saint-Étienne, ils ont mis ça à part, en fait, je trouve, avec moi. Je ne sais pas pourquoi. D'entrée, en plus, parce que je l'ai senti. Et après, bon, je marque direct. Et je pense que ça, ils ont compris que j'étais là pour, voilà, pour le maillot vert et que j'allais tout donner. Et ça m'a fait, voilà, j'ai même là, j'en parle, j'ai un peu des frissons parce que c'était beau, c'est un beau moment. Tu arrives dans un club historique comme Saint-Étienne. Tu joues quelques secondes, tu marques et ça descend. Tu Ça dis, descend, tu dis non, c'est beau. Et c'est voilà, c'est vraiment les beaux moments à vivre. Ça, c'est incroyable. Quand j'y repense, c'est vraiment beau. ouais, c'est pour ça que tu joues au foot. Et c'est quand je sais plus dans quelle interview, mais tu disais que c'était ton meilleur souvenir à Saint-Étienne de voir cette tribune Ouais. descendre. Bon, De j'en ai un peu d'autres, mais c'est vrai que le plus beau, ça restera celui-là. Et je pense que l'histoire, elle est belle. L'histoire, elle est belle parce que j'arrive et c'est comme si je m'installais direct, quoi. En moins de 40 secondes, voilà, j'ai montré que j'étais pas là comment dire, pour le plaisir ou pour être comme ça, pour jouer. Non, moi, je suis là pour montrer que je veux gagner, que je suis là pour le maillot vert. Même si j'appartenais à Marseille, voilà, j'allais tout donner pour Saint-Étienne. Mais on l'a vu, il y a des choses qui ne trompent pas, ce but-là, ton engagement sur le terrain. Je me rappelle le match contre Monaco, tu te rappelles à Geoffroy Guichard, où Ah tu sors, on te voit les larmes à l'œil. Et ces scènes-là, ça ne trompe pas, tu sais. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi et ce maillot-là, ce peuple vert-là. Donc ouais. c'est ça qui nous a touchés aussi. Ah, mais ce moment-là, c'est vrai que ça a été très dur parce que faut savoir que Saint-Étienne, c'est un club très famille. Franchement, à l'intérieur du club, je dis pas que les autres clubs ils sont pas famille parce que même Montpellier c'est famille parce que je connais bien les autres clubs, je sais pas. Mais Marseille peut-être un peu moins à part en interne ça se passe bien, mais c'est moins famille, mais Saint-Étienne. Parce que quand tu perds un match, j'ai l'impression que comment dire, tout le monde est triste, quoi. Le staff, les gens, les supporters, les gens qui sont fanatiques, tu vois, tu leur fais du mal un peu, et même si nous, ça nous fait du mal à nous parce que on perd, c'est notre faute. Donc voilà, ça a mis les larmes aux yeux parce que tu peux pas donner cette joie à tout le monde, parce que tout le monde la mérite. Franchement, à Saint-Étienne, je trouve que
Ils méritent tous du bonheur. Ils sont, comme j'ai toujours dit, ils sont trop gentils, les gens là-bas. J'ai trop aimé la mentalité. Et j'ai dit, Saint-Étienne, c'est Loïc Perrin, en fait. Quand tu vois Loïc Perrin, tu as l'impression que tu vois Saint-Étienne. Un mec simple, très gentil, respectueux. Franchement, parfait, nickel. Loïc Perrin, il se prend pas la tête. Il est, voilà, très, très bonne mentalité. Et quand tu vois Loïc, ben, tu vois un peu les gens, la mentalité de Saint-Étienne, ouais. Eh ben, écoute, C'est pour ça, quand tu perds un match, ben, surtout là, c'était difficile. Donc, tu as l'impression que de faire du mal aux gens, et c'est ça que j'ai ressenti, ouais. ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et alors, comment t'expliques ces 6 premiers mois compliqués avec Oscar Garcia? Parce que sur le papier, bon, c'est pas dégueulasse. Le coach a plutôt des idées assez nouvelles, assez fraîches. Il a envie de mettre en place quelque chose d'intéressant. Espagnol, ouais. Pourquoi ça prend pas? Ça prend pas. Après, je sais que on a fait un bon petit. Ils ont fait déjà avant que j'arrive un bon petit début. Après, je suis arrivé, ça allait. Et après, c'est vrai qu'on a eu une baisse. Et je pense que peut-être qu'on a eu des difficultés parce que peut-être certaines équipes étaient meilleures que nous aussi et on n'arrivait pas à mettre en place le jeu qu'on voulait. Parce que franchement, les entraînements, ça se passait super bien. Oscar Garcia, il avait des bonnes idées, les idées que moi j'aime. C'est aussi pour ça que je suis venu, parce que j'aime le jeu un peu espagnol, j'aime que quand ça joue. Et c'est vrai qu'on a eu un peu de mal. Après, moi, je me suis blessé quelques temps, et ça aussi, voilà, je l'ai mal vécu parce que je pouvais pas aider mon équipe, parce que ça a été dur aussi à cette période-là. Tu te blesses contre Montpellier d'ailleurs, il me semble, là, Geoffroy Guichard, non? Ouais, je me blesse, je prends un coup sur Le pied? mon pied, et voilà, je pouvais pas. Je voulais jouer, mais voilà, je pouvais pas faire Tu autrement. rates le derby notamment. Ouais, putain, c'est le derby, putain. On va pas en parler parce que je Alors, veux même pas en parler. on va pas parler. Mais ouais, c'est vrai que ça a été dur. Après, bon, c'est Julien qui a repris l'équipe. Il a essayé de faire son mieux, mais c'est dur. C'est dur quand t'as les joueurs et tout, mais des fois, ça arrive que ça passe pas sur le terrain. Il y a des équipes, elles sont déjà en place, elles sont voilà, peut-être meilleures que toi. Donc, il faut un changement, et c'est ce qui s'est passé à la trêve avec l'arrivée de Jean-Louis et de Ghislain. Eh ben écoute, la transition est parfaite. Du coup, Ouais, c'est sûr, mais je savais que tu allais venir sur la ah oui, transition. Donc... logiquement. Du coup, tu le dis bien, t'as Jean-Louis Gasset qui arrive et qui Ouais. remplace du coup Julien Sablé en tant que numéro 1. Elle reprend l'équipe. On est 17e, il me semble, Ouais, hein, j'ai pris match un contre coach. Guingamp. Ouais. C'est compliqué. Très compliqué. Et là, voilà, je me rappelle, je crois que c'est le match contre Toulouse à Geoffroy Guichard. C'est le Non. premier de la deuxième partie de saison, tu sais. Je crois que c'est pas chez eux. Non, non, c'est à Geoffroy. Ah oui, le premier match, oui, c'est vrai. Ouais, le premier match, oui, le retour de Jean-Louis, c'est vrai, À à Geoffroy. Saint-Étienne. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. donc, Et c'est en coupe, non? non, non, c'est un championnat. Hein. C'est qui qu'on a joué en coupe? Ah, parce qu'on a fait le match de coupe de France avant. Ok, non, non, mais Ouais. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, en Ligue 1, il me semble que c'est. Ouais. Et bon, on gagne 2-0. Et de là, par une dynamique, je crois qu'on enchaîne 13 matchs sans On défaite. joue Nîmes. Attends, avant de te couper, je crois que je suis pas sûr. Je crois qu'on joue Nîmes en coupe. Je Bah crois, je suis écoute, pas sûr. Je vais essayer de regarder parce que j'aime ouais, bien me rappeler des choses. en fait, c'est un tout qui se met en place. T'as Jean-Louis Gasset qui arrive, t'as l'arrivée de Diane Mvila, Subotic, Debuchy, le retour de Robert Berić de prêt d'Anderlecht. Donc, tu as une équipe et un noyau super intéressant qui se forment. Et là, je te dis, je crois qu'on aligne 13 matchs sans défaite. Et pour la petite anecdote, le seul match Bon, que j'ai. après on enchaîne parce que on joue à Metz. Oui, on perd 3-0. On perd 3-0 et à partir de là, je pense que Je crois que non. Alors, on enchaîne 2 défaites à Metz et à Nice. On perd à Metz. ouais. Et là, Ouais. après, c'est parti. Et Mais tu d'ailleurs, vois, pour la. ce que je veux dire à partir par Ouais, vas-y. rapport à ça, c'est que les supporters nous ont pas lâchés, tu vois. Parce que je connais des clubs et je connais des situations où à ce moment-là, on te met dedans. Et on a rencontré les supporters, parce qu'on a discuté avec eux, ils sont venus nous voir. Et franchement, ça s'est super bien passé. Pourtant, ils pouvaient être en colère, ils peuvent te critiquer, te dire certaines choses. Et je trouve que cette réunion, elle s'est super bien passée. On était dans le chaudron. Et voilà, tu as envie de. Quand tu vois des gens comme ça devant toi, tu as envie de tout donner, même si tu donnes tout déjà. Hein. Ouais. Personne,
enfin, je connais personne et j'ai joué avec beaucoup de joueurs qui ne jouent à 30%. Tout le monde essaie de donner son maximum, mais peut-être que ça te booste encore plus quand tu vois des gens en face de toi qui Qui te te lâche pas. motivent pas, qui te lâchent pas, qui te motivent. Donc voilà, après, tu as parlé de l'arrivée de Jean-Louis, de Yann, de Matt, de Subotic, de Ghislain. Parfois, dans une équipe, il faut, les coachs, ils ont leur personnalité. Et je pense qu'on avait besoin, comme d'un second souffle, de respirer, de calme, calme, de prendre. Jean-Louis nous a mis ça en tête déjà par son expérience, mais de calmer, de reprendre ses esprits, de jouer notre jeu. On va faire notre jeu et on va réussir. Et il s'est pas trompé, hein. Il s'est pas trompé. Et alors, au-delà du jeu, parce que ça jouait, moi je me rappelle, moi je pense que le match qui m'a le plus marqué sur cette deuxième partie de saison, c'est le Saint-Étienne Paris à Geoffroy Guichard, où tu marques d'ailleurs. Ouais, je marque et joue Pépénaud, non? Tu loupes. Je voulais pas le dire. Putain! Non, mais purée, c'est Mbappé qui fait le geste là. Ouais. Et Et après, ouais, il y a ça et après on prend un but à la fin, mais un but. un CS7 de Buchy, il me semble, mais. Ouais, mais sans faire exprès, quoi. Le ballon il tombe Bien sur sûr. la cuisse là. Franchement, au niveau football, au niveau purement football, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu à Geoffroy Guichard sur les dernières années. Ça jouait, il y avait des Parce intentions de que. jeu. Mais parce qu'en face, il y a de la qualité aussi. Quand tu as Ouais. une grande équipe en face, si tu as les joueurs pour, comme si tu fais venir Yann Mvila, tu fais venir Debuch, il y a des joueurs comme ça, ils ont déjà le talent. Donc tu peux te mettre au niveau un peu du match là comme Paris. Voilà, ça essaie de jouer. Si, quand tu as le talent, ben ça marche, quoi. C'est vrai qu'à partir de cette deuxième partie de saison, on avait vraiment une très belle équipe, quoi. Il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, au-delà du jeu, si je me trompe pas, et tu m'arrêtes si je me trompe, il me semble que tu as déclaré qu'au niveau du vestiaire, au niveau de l'ambiance de vestiaire, c'est une des plus belles saisons que tu aies connues. Ouais, Et comment tu dis ça? Parce que. cette année-là, et Et la bon, suivante, parce ouais. qu'en fait, à Montpellier, bon, j'étais jeune, même si ça s'est bien passé, franchement, je crois qu'il y a eu zéro problème. Marseille, c'était bien aussi. Marseille, dans le vestiaire aussi, c'était bien. Mais Saint-Étienne, c'était spécial. Je trouve que c'était comme si on était une famille, en fait, entre nous, des frères, que des frères dans un vestiaire où ça rigole, ça chambre, même si ça chambre de partout, mais. Je trouve qu'il y avait beaucoup de trucs dans ce vestiaire et je pense que voilà, on a vécu des bons moments avec Hassan qui essaie de parler anglais, un petit frigo dans le petit vestiaire avec des petites boissons à l'intérieur, des oasis, des trucs comme ça. Donc c'était chacun essayer de prendre à l'autre les petits chocolats aussi. C'était que des bons moments. On finissait l'entraînement, c'est pas on partait direct quoi. Il y avait on rigolait. Il y avait une vraie ambiance, ça chambrait, ça. Non, franchement, avec Arnaud Nordin, William. Et Romain, n'oublie pas ton Romain amour, quand même. Mais sache que Romain, là, je suis. Bon, là, j'ai deux écrans, mais sur l'autre écran, il est en train de jouer alors à un jeu et on est en vocal, mais là, je ne peux pas être en vocal avec lui. Mais Ouais. si je clique, je suis en vocal avec lui direct, mais là je ne peux pas parce qu'il est en train de jouer, là. Je crois qu'il perd en plus, donc je vais rien dire. Mais ouais, Romain, pratiquement tous les soirs on joue ensemble, toujours en contact. Après Yann Mvila, bon il est parti, mais toujours en contact. Wabi, Hassan, Jess Moulin, mais bon il est parti aussi. Toujours, voilà, toujours des contacts. Comment? Denis Bonga aussi, non? Avec qui? Denis, ouais, je l'ai croisé aussi, je l'ai croisé cet été aussi. Denis, ouais, Denis toujours en contact. Voilà, un peu tout le monde de temps en temps et ça fait du bien parce que. Comme je dis, c'était comme une famille, ce vestiaire. Ouais. Ouais, on voit des boîtes et stories qui ne trompent pas, ou dès que tu as l'occasion de le faire, bah, tu suis les matchs de synthé, et ça. Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je suis content quand ils gagnent. Et après, voilà. Là, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de joueurs qui ont changé parce qu'il y a beaucoup de jeunes et qu'il y en a que je ne connaissais pas. Il y en a qui sont arrivés. Et voilà, je pense qu'il leur faut un peu de temps. Je trouve qu'il leur manque, je pense. Un ou deux joueurs d'expérience pour bien mener l'équipe. Et après, ça va aller. Je m'en fais pas pour ça. Je sais qu'à un moment donné, bon, il y aura les supporters, quand ils seront pas contents, ils leur diront et l'équipe, voilà, sera poussée. On l'espère tous. On l'espère tous. Bon, alors, pour clôturer cette première saison, donc, tu retournes à Marseille, retour de prêt du coup. Et alors, si je ne me trompe pas, je vais ressortir ce que tu avais dit. Saint-Étienne
Ça restera gravé en moi. Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait pour moi, que ce soit le club, les supporters. Je les ai dans le cœur à vie. Je ne les remercierai jamais assez car j'ai connu des émotions incroyables. Merci vraiment. Quand, Ah, quand tu. Quand tu. c'est beau, c'est mes mots, ça. C'est tes mots. Je cite, hein. Quand tu dis ça, est-ce que pour toi, la page synthé, elle est complètement tournée ou dans ta tête, tu sais déjà qu'il va y avoir des contacts et que ton Non, retour il est non, planifié? j'ai dit ça parce que sur le moment, je le pensais et j'ai décrit ma saison, en fait, tout ce qui s'est passé. Parce que, comme je t'ai expliqué, je viens de Marseille. Marseille, si, Marseille Saint-Étienne, c'est pas la joie, c'est pas, ils sont pas copains-copains. Et en plus, un joueur de Marseille, quoi, j'appartiens à Marseille, j'appartiens pas à Saint-Étienne. Et je trouve que ils m'ont accueilli, ils m'ont considéré comme un joueur de Saint-Étienne. Donc, ça, comme j'ai dit, je les remercierai jamais assez parce que s'ils n'avaient pas fait ça, peut-être que ça allait être plus compliqué pour moi. Tu vois, ça n'aurait pas été la même saison, j'aurais peut-être pas pensé la même chose. Bon, après, moi, j'ai fait ce qu'il fallait aussi sur le terrain, en dehors, dans le vestiaire, avec les gens, parce qu'ils méritaient. Donc voilà, c'était un tout et je pense que on allait bien ensemble. Donc ce que j'ai dit, je le pensais. Après, je retourne à Marseille. Donc je tourne à Marseille. Pour moi, j'allais faire ma saison à Marseille. Je pensais pas à partir ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que je discute avec Rudy Garcia, comme j'avais fait l'année passée, et même avec la saison que j'avais fait avec Saint-Étienne, il m'a dit, ça, pour moi, dans mon optique, ça ne changera pas, tu seras numéro 3 ou un truc comme ça. Donc, il m'a dit clairement, il m'a dit les choses, il dit, OK, moi, il n'y a pas de problème, coach. Moi, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, si je dois partir, je ferai tout pour aller à Saint-Étienne. Parce que c'était ma première option et je sais que voilà, ça s'est bien passé et j'aimerais refaire la même chose, voire mieux. Et donc, je discutais avec Oscar Garcia, avec Rudy Garcia et je lui dis, moi, il n'y a pas de problème, donc je vais faire tout pour partir et il n'y a pas de problème. Il accepte, il dit, il n'y a pas de problème, tu peux discuter. Et à ce moment-là, c'est vrai, j'avais Nice et Saint-Étienne. Parce que l'OM, ils avaient dit un prix, mais Ouais. je trouve que c'était très élevé, même voire beaucoup. C'était 10, 10, Et hein? donc, comment? C'était 10, 12 millions qu'il demandait, hein, 10, il me semble. 10, 10. Ouais, c'est ça, 10 Et millions. Héro, il disait 10, donc j'étais le voir. Je dis, président, moi, par respect, j'ai fait mon année à Saint-Étienne, pas à Marseille. 10, je trouve que c'est un peu beaucoup dans le football actuel où il y a un peu de difficultés. Il me fait, non, mais tu les vaux, c'est ton niveau et tout. Je dis, au moins, il n'y a pas de problème. Mais si là je vais pas jouer, j'ai pas envie de rester à Marseille pour rester sur le banc ou aller en tribune et de dire je joue à Marseille. Si Ouais. c'est pour jouer pour Marseille, c'est pour jouer sur le terrain, pas en dehors. Et moi je suis quelqu'un que j'ai envie de jouer. Je suis pas là pour être en vacances ou profiter du soleil. Moi je suis là pour jouer et me donner à fond. Donc je dis président, faudra faire un effort parce que là je sais que Saint-Étienne ils veulent faire une offre, mais ça sera pas ce que vous demandez. Eh bien on discutera, on verra. Et à ce moment-là, j'ai Patrick Vieira qui m'appelle aussi. D'accord. Avec Nice et qui me voulait absolument, qui voulait me faire une offre et qui m'avait proposé aussi un contrat. Mais eux, après, ils avaient un peu changé le contrat. Mais même, j'avais dit à Patrick Vieira au téléphone, je lui ai dit, chez moi, je vous dis la vérité, si Saint-Étienne fait la demande avant et que, même si vous demandez vous, j'irai à Saint-Étienne. Mon premier choix, ça sera Saint-Étienne. Et je lui ai dit, hein, je dis, bon, je ne veux pas mentir parce que je suis quelqu'un d'honnête. Et je lui ai dit, s'il n'y a pas Saint-Étienne, je peux venir à Nice, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il y a Saint-Étienne, ma priorité, ça restera Saint-Étienne. Et ça a duré un moment, donc j'ai forcé, j'ai dit, je veux aller à Saint-Étienne. Maintenant, voilà, je veux y aller, faites le maxi. J'avais Roland un peu par message aussi, Romeyer. C'est ça que j'allais te demander, parce que ça a été super long, hein, le feuilleton, il a duré un bon moment, Oh, tu ça a vois? été très long. J'ai Roland par message, au Ouais. 13. J'ai Jean-Louis très, très souvent par message qui me disait ce qu'il fallait faire. Et Ghislain aussi. J'avais Ghislain aussi qui m'envoyait des messages. Et je disais, j'ai envie de venir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Nanana, nanana. Donc j'ai tout fait. J'allais voir le coach. Des fois, par exemple, si je devais partir, je ne m'entraînais pas pour montrer que j'avais envie d'aller à Saint-Étienne et que. Fallait que j'aille à Saint-Étienne. Et même à la fin, j'ai failli ne pas venir hein, parce que l'OM n'avait pas fait d'attaquant à ce Ouais. moment-là. Et vu que j'avais fait une bonne prépa, il voulait que je reste. Il m'a dit clairement, il m'a dit Rémi, non, tu pars pas. Si on fait pas d'attaquant, tu restes.
Je fais, coach, moi, j'ai donné mon accord à Saint-Té, au Prez, au coach. J'ai dit que je vais à Saint-Té. Dans ma tête, j'étais déjà à Saint-Té, quoi. Je dis, il me dit, bah, attends, on va voir. Et Héro, à ce moment-là, il m'envoie un message. Il me dit, Rémi, je crois que c'est le dernier jour, hein, du mercato, non? Un truc comme ça. Hein. Non, tu signes le 14 août, je crois. Le 14 août, parce qu'il me dit, Rémi, tu montes à Saint-Té. Parce que je dis, je ne m'entraînais pas. Il me dit, monte à Saint-Té. Mmh. Et si on fait notre attaquant à 70%, si on le fait, ben, tu as Saint-Té, donc c'est bon. Si on ne le fait pas, ben, tu redescends. J'ai quand même pris la voiture, je suis monté, j'y vais, il n'y a pas de problème. J'y vais et ils ont fait Mitroglou à ce moment-là. Et voilà, je signe à Saint-Té enfin. Et pour moi, ça a été le bonheur, quoi. Ouais, donc c'est ce que tu voulais. Et il me semble que tu avais dit aussi que tu avais reçu des centaines et des centaines de messages, des milliers de messages. Ah, mais c'était incroyable, hein. Pendant les vacances, pendant les trucs, c'est viens à Saint-Té, reviens à Saint-Té, on a besoin de toi, on veut te voir à Saint-Té. Et ça m'avait touché aussi, c'était énorme, parce que de tous les côtés, je recevais des trucs. Et voilà, je pouvais leur rendre que comme ça. Et après, comme j'ai dit, je suis là, je ne suis pas là pour l'image, je suis là pour jouer, je ne suis pas en vacances. Et j'aimerais faire une belle saison avec Saint-Té et jouer l'Europe, quoi. Ouais, avec Saint-Té INSEE, on avait lancé un sondage il y a une petite année et on avait demandé à nos followers, entre guillemets, quel feuilleton mercato vous a le plus marqué sur les 10 dernières années. Et c'était le feuilleton Rémi Cabella qui était ressorti en premier. Parce que, comme je t'ai dit, celui-là, il a été très long. Ça a été très, très long. C'est très long pour moi surtout parce que tous les jours, j'avais Saint-Té au téléphone. Il me disait comment on est, comment ça se passe. Alors, je dis, mais je dois discuter. Je vais discuter deux ou trois fois avec Héro. J'allais tout le temps dans le bureau à Rudy Garcia pour dire, alors, est-ce que c'est bon ou pas. Donc, toi, tu faisais le nécessaire de ton côté. Mais t'es obligé. Ouais. En fait, il faut savoir comment que ça se passe. Pour un transfert, c'est compliqué. Un transfert, c'est pas le club, il dit oui, tac, tac, et c'est fait. Non, des fois, le club, ils veulent négocier. Donc, toi, en tant que joueur, tu es obligé de montrer à ton club. Ouais. Comme de ne pas t'entraîner ou ne pas jouer pour dire je veux aller dans ce club-là et pour montrer à l'autre club où tu joues, de dire voilà, c'est fini. Moi, il dit je dois partir, moi, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas envie de me blesser. Imagine-toi, je me blesse, je fais comment? Donc voilà, Jean-Louis m'a bien conseillé, m'a dit de faire les choses. Ça s'est super bien passé avec Marseille aussi parce que dans les discussions, il n'y a jamais eu de. Dans ton loop ou quoi que ce soit, ça s'est bien passé. Tout le monde ça s'est arrangé et au final, voilà, ça s'est bien passé. Mais ça a été long, ça a été très. Ouais, je peux te dire que moi, je parle pour bon nombre de supporters stéphanois, je pense. J'ai été là, actualisé toutes les 5 secondes. Je t'envoyais des messages sur Instagram tous les matins en disant. c'était chaud, mais bon, ça valait le coup. Et là, du coup, je reviens à la maison. Je t'ai dit 14 août, tu signes avec ton beau maillot vert. Je me rappelle de la publication Instagram, I'm back. Yes. c'était un soulagement pour tout le monde. Et là, c'est une saison dans la lignée de la deuxième partie de saison 2000. Avec l'arrivée de Wabi aussi. Avec l'arrivée de Wabi, on va en reparler. L'arrivée de Wabi, il y a la prolongation de Mathieu Debuchy. Ouais. Kevin Monet-Paquet qui reste. Donc, il y a vraiment ce noyau. Le départ de John Bamba aussi, le départ. Bamba, PSG Entep aussi, Paul Jean. PSG aussi, ouais, qui était souvent blessé, dommage. Ouais, c'est dommage parce que ça. Salibur aussi. Et Yannick Salibur qui arrive, exactement. Incollable, monsieur Cabella. Du coup, grosse saison. On ne va pas revenir sur toute la saison, mais voilà, on termine quatrième aux portes de l'Europe. Et ouais, parce que bon, faut savoir que parle-nous de cette saison un peu, ton ressenti. De cette saison, mon ressenti, je pense qu'on méritait mieux. Après devant, ils étaient bons. Les trois premières équipes, il y a rien à dire, elles étaient au-dessus. Mais je pense que le déclic, c'est contre Montpellier quand je prends le rouge. Ouais. Mais il faut savoir que une petite anecdote, toute la deuxième partie de saison, avant chaque match, je disais les gars, je vais vous emmener en Ligue des Champions. Moi, je veux jouer avec des champions, je veux rien d'autre. Je vais vous emmener en Ligue des Champions.
Et on monte, parce qu'on est, on est côte à côte avec Lyon à ce Ouais. moment-là, et on joue Montpellier, À la et maison, à Geoffroy Guichard. à Geoffroy Guichard, ouais. Et après, je sais pas, peut-être au début du match, il se passe bien, tout se passe bien et tout. Mais je prends un jaune bêtement, alors que je pense que je ne mérite pas le jaune. Franchement, c'est les deux qui ont mis Ah le ouais. pied, alors pas mérité. Et après, le deuxième, à peine, je touche un peu Gaëtan Laborde, mais à peine, quoi. Il me met carton jaune direct, deuxième jaune, rouge. Je trouve que c'était très sévère et je pense que ce n'était pas mérité. Je pense que là, et en faisant ça, je perds le match parce que 30 secondes après, on prend un but à 10. Ouais, c'est bah, Gaëtan Laborde hein, qui marque d'ailleurs. Et il marque juste après. Et on jouait le vendredi ou le samedi. C'est ça, Et vendredi. Lyon jouait le dimanche. Donc Lyon savait avant que s'ils gagnaient, ils C'était allaient bon. garder, voilà, ils allaient prendre leur écart. Et voilà. Tandis que si on gagnait, on leur mettait la pression et ce n'était pas pareil. Et je pense que si ce match-là, c'est le déclic. Et pourtant, on avait bien commencé le match, ça se passait bien. Et je pense qu'on allait, si je pense, hein, si j'étais resté sur le terrain, je pense qu'on gagne le match. Et je pense qu'à la fin de saison, on peut finir troisième. Après, bon, ça s'est On va pas passé reparler. comme ça. Voilà. Voilà, on ne pourra pas refaire. C'est déjà Et au énorme. final, on finit quatrième. Et je trouve que c'est mérité avec l'équipe qu'on avait, une belle équipe, avec le coach, les supporters. Et je pense que Saint-Étienne mérite. Pour moi, Saint-Étienne, c'est un club qui doit jouer dans les 5 premières places chaque saison, quoi. C'est un club qui doit rester en haut. Et voilà, l'Europa League, c'est beau. Pour moi, tout ce qui est Ligue des Champions, Europa League, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est l'Europe, c'est le football Ah, que... c'est l'Europe, c'est exactement ça. Ça. Et dans cette deuxième saison stéphanoise pour toi, si tu avais un souvenir, un match, une anecdote, un souvenir à ressortir, ça serait quoi? À Monaco. Monaco à Louis II? À Louis II, ouais. Quand tu marques Parce que, cette... ouais, mais il faut savoir que dans la semaine, en fait, il y avait le Espèce de mari. problème, Julien Tanti. C'est ça. Ouais. J'étais invité depuis un petit moment au mariage et c'était. Ça commençait le jeudi, vendredi, samedi, et c'était pendant 3 ou 4 jours. Et j'ai dit à Julien, écoute, ça va être compliqué parce que, bon, c'est en pleine semaine et que. Et qu'il y a 3 heures et demie de route de Saint-Étienne à Cassis, de faire un petit aller-retour, je pense que ça peut être compliqué, mais je vais essayer quand même, je vais essayer. Et j'ai été, quoi, j'ai été une journée. Et Avec l'accord de Jean-Louis, bien sûr, hein, du avec club. l'accord du coach, ce qui est normal, mais j'ai été, quand on a été le jour, c'était grosse séance. Et tu savais que le lendemain, c'était le jour tranquille. C'était tennis, ballon et tout. Ce n'était pas une grosse séance. Donc, je savais que le lendemain, je pouvais aller sur le terrain ou quoi que ce soit, faire des petits trucs. C'était tranquille. Je pouvais me faire masser. Il n'y a pas de problème. Donc, j'y vais au mariage. Donc, voilà, j'y vais. Et c'est vrai que les supporters étaient surpris de savoir est-ce que j'allais revenir le lendemain, après le lendemain, comment allait se passer, surtout quand je jouais Monaco. C'était un match important. Et c'est vrai que j'étais attendu, mais pas de pression. Franchement, pas de pression. On va à Monaco. Première mi-temps, on est nul. Franchement, on est nul. On n'arrive pas. C'était dur. Et à la mi-temps, je sais pas, je prends la parole parce que je sentais que on pouvait faire mieux. Je savais que ce match-là était important et qu'on devait faire quelque chose. Et c'est vrai que je prends la parole et voilà, je remotive un peu tout le monde. J'avais un peu cette mentalité. Voilà, faut aller chercher quelque chose. Et dès qu'on rentre à deuxième mi-temps, c'était autre chose, quoi. C'était autre chose. Et Bien sûr, bon. attention parce que avant que tu provoques le CSC monégasque. Voilà le CSC. Ils mettent la barre, hein. Ouais, Donc ça, exact, exact. voilà, c'est ça, hein. Ça joue à rien, mais on n'a rien lâché. Tu vois, ça peut... Parce que la première mi-temps, tu te dis, bon, peut-être tu rentres en deuxième, tu t'es mené, donc tu n'es pas bien. Mais non, là, j'ai senti une équipe voilà, qui voulait aller chercher. En plus, tout le monde est là, dans la même mentalité. Et c'est vrai, donc contre son camp, après, Et tu peux passer pour Arnaud. je marque et la passe des pour Arnaud qui vole. Qui Qui met la vole. tête au-dessus de Ronaldo et la petite dédicace à Arnaud que j'aime bien. Et voilà, et ce match, il était important parce que ça nous a permis de rester en haut du classement. Et c'est vrai qu'après, j'ai reçu que des messages. Ouais. Si tu pouvais aller au mariage chaque semaine.
je me rappelle Ah, ça. c'est voilà, c'était bon, voilà, c'était bonne ambiance, c'était bien. J'aime bien les gens qui essaient de me chambrer et tout, gentiment et tout, il n'y a pas de problème. Après, tu sais quoi, tu peux aller au mariage de Pierre-Paul Jacques tant que tu fais le max sur le terrain et que tu réponds C'est présent sur le terrain. ça, c'est ça. Après, comme j'ai toujours dit, c'est vrai que quand tu es jeune, tu te dis, bon, les footballeurs, ils doivent penser que foot, nanani, mais on a une vie quand même, on est des êtres humains, voilà, on va au restaurant, on peut faire la fête, on peut aller au cinéma, on peut aller dans un mariage, on est des êtres humains, on n'est pas différents des gens. Même si c'est vrai qu'on joue au football, on gagne bien notre vie, mais c'est pas par rapport à cause de ça qu'on ne peut pas vivre à côté, quoi. Si on doit aller, si j'ai l'occasion que je peux le faire, si je dois aller au mariage, je vais aller au mariage. Par contre, si c'était la veille du match ou quoi que ce soit, Bien sûr. voilà, c'est pas possible. Bien Et sûr. même, une petite anecdote, c'est quand je suis à Cassis, il y a la femme de Julien Manon Eh ouais, qui a mis un snap. qui fait un snap, qui prend les clés, qui les cache et qui dit Ouais, Jean-Louis, Coach, laisse. coach Jean-Louis, Ouais. laissez Rémi ce soir, s'il vous plaît, il rentre demain ou après-demain, il n'y a pas de problème et tout. Et j'avais mis Jean-Louis par message, il me dit Rémi, pour le bien de tout le monde et pour tous les supporters, il m'a bien dit ça, hein, rentre ce soir, rentre ce soir. Donc je suis rentré le soir, je savais que j'allais rentrer le soir, je n'allais pas rester, même si c'était pour rigoler. Et je rentre le soir et le lendemain, je vais dans le bureau de Jean-Louis. Il était mort de rire. Oh, Rémi, c'est quoi tous ces messages des petites là? Et Jean-Louis, il voulait pas laisser Rémi. Hein. Et c'est vrai que voilà, qu'avoir un coach comme ça, c'est bien parce qu'il a l'expérience, il sait comment ça marche. Peut-être qu'un autre coach, qui va te laisser dire, vas-y, tu peux rester là-bas, tu rentreras demain ou le lendemain. Mais l'image, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne image pour le club, pour le joueur, pour les supporters. Peut-être que je ne suis pas présent à l'entraînement par rapport aux joueurs aussi. Donc Jean-Louis, il a pris la bonne décision aussi et je trouve que ça, c'est important. Et voilà, quand ça se passe bien et ça passe bien entre nous, voilà, il y a pas de problème. Il m'a dit, Rémi, ce que tu vas faire aussi, tu vas sur le terrain, même si tu dois te faire masser, va d'abord sur le terrain, tu fais un petit footing, un petit truc, tu vois les supporters, tu leur dis bonjour et tu rentres, tu vois. Et je trouve que c'est super important, ça. Mais tu le dis très bien, ça me permet de faire une petite transition sur Jean-Louis Gasset. Et je me rappelle quand il a annoncé son départ, tu as mis une publication sur Insta où tu dis que c'est une personne en or. Parle-nous un peu de Jean-Louis, de ta relation que tu as avec lui. Jean-Louis, il faut savoir que quand je jouais à Montpellier, des fois il était, c'est trop bizarre, il était à la sortie du couloir là, du couloir quand on finissait le match, et des fois on disait bonjour parce qu'il était là, il attendait parce que c'est quelqu'un de Montpellier, mais il disait bonjour bizarrement. Je dis putain, il m'aime pas ou il y a un truc il m'aime pas. Il me dit bonjour bizarrement comme s'il me regardait pas. Lui, même pas, Jean-Louis Gasset, pour moi, je sais qui c'était. Jean-Louis Gasset, c'est quand même c'est une image. Et plus tard, j'avais appris que Jean-Louis Gasset et Laurent Blanc m'aimaient bien, moi et Stambouli, que si un jour ils reprenaient peut-être un club, ils allaient peut-être nous appeler ou voilà, nous contacter. Et c'est vrai que je dis, putain, mais c'est bizarre. Moi, quand je le voyais avant, il me disait bonjour, mais sur le côté, comme ça. Je dis, mais il m'aime pas. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Saint-Étienne, après on vient de… Bon, je suis corse, mais j'ai vécu beaucoup de Montpellier. temps à Montpellier. On a un peu les mêmes expressions, on se comprend. Il a de l'expérience. Il sait comment parler aux joueurs, il sait comment les manier. Il va pas, comme il fait avec moi, comme il manie moi, il manie pas Mvila de la même façon. Ouais. Parce qu'il s'adapte aux joueurs. Joueur. Parce que Yann, c'était son fils, donc il gérait autrement. Donc, et ça, mais ça, on le respectait. Parce qu'il y a peut-être certains joueurs qui peuvent dire, ouais, comment ça se fait, si ça… Là, ce qui était bien, c'est que chaque joueur comprenait. Et c'est ce qui a fait que le groupe, il vivait bien et qu'on était comme si, comme des frères. Et Jean-Louis, il aimait ça. Déjà, comme il expliquait, il a toujours expliqué, il a toujours dit, dans la vie, on peut perdre des matchs, mais il y a plus grave dans la vie. Donc, tu sais, il te mettait déjà dans de bonnes conditions, il te calmait. Des fois, peut-être tu arrivais un peu en retard une fois, ça arrive. Peut-être que tu as des coachs qui vont te dire, bon, aujourd'hui, je ne t'entraîne pas, aujourd'hui, tu dois payer une amende, aujourd'hui, si, tu dois faire ça. Parce que ça arrive, on est humain, tout le monde peut arriver en retard. Mais Jean-Louis, tu vois, il faisait les bonnes choses, il prenait les bonnes décisions, il arrivait à te parler, et tous les autres joueurs, ils comprenaient. Donc, tu vois, après, tu n'avais plus envie d'arriver en retard. Pas pour parce que te faire engueuler, hein, juste par respect, parce que le mec, il te respecte, et c'était ça, le respect.
fallait le respecter et pas faire pas le prendre pour un con ou quoi que ce soit. Pas le trahir. Si te donner des, par exemple aujourd'hui il te dit bon t'es fatigué tu t'entraînes pas et à côté tu vas pas sortir en boîte ou quoi que ce soit. Ouais, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire, tu vas pas le prendre pour un con, faut le respecter. Tu fais les choses bien, tu restes chez toi, tu te reposes aussi et après sur le terrain tu lui montres quoi. Et c'est ça qui était bien avec Jean-Louis, c'est qu'il était proche des joueurs et tu savais ce qu'il voulait et il fallait lui rendre quoi, tu le rendais sur le terrain et c'est tout ce qu'il attendait. Et vous l'avez bien rendu, hein, en allant décrocher cette quatrième place. Ouais, et il y C'est... avait aussi, il faut savoir qu'il y a Ghislain aussi avec lui. Ghislain. On va reparler Ah. de... T'inquiète pas. Et je voulais reparler d'une autre personne avant de clôturer cette saison 2018. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a Wahbi Khazri qui arrive. Ouais. Donc Wahbi que tu connais de l'enfance, il me semble, hein, puisque vous êtes... Voilà. On a vécu à mon quartier et son quartier sont à 5 minutes. On est collés en fait. On est collés. Ouais, c'est, tu vois, c'est, ça devait être drôle de se retrouver comme ça en pro, c'était la première fois. Ouais, ensemble, oui, parce qu'on a toujours joué contre. Contre. Donc, Ouais. c'était bizarre parce que même petit, on a joué contre. Au centre, on jouait contre. En pro, on a joué contre. Et là, de se retrouver, même pour nous, c'était énorme. Et surtout pour tous les gens d'Ajaccio ou en Et ouais, Corse pour... qui nous ont vus grandir et ils se disent, putain, les deux petits, ils sont ensemble, quoi. Et c'est beau. En plus, à Saint-Étienne, tout le monde aime Saint-Étienne. Tous les anciens, ils aiment Saint-Étienne. Moi, quand je rentre en Corse, j'ai appris, je connaissais des gens, mais je ne savais même pas. Ils étaient tous supporters de Saint-Étienne. Saint-Étienne, je trouve que c'est incroyable, même si beaucoup de monde aime Marseille. Mais Saint-Étienne aussi, ils ont C'est cet effet-là. un club historique. Et du coup, tu vois, on a remarqué durant cette saison que en première partie de saison, alors Wabi il est en feu. Ouais, un peu moins moi un peu moins. Et la Pour deuxième saison, le et la contre. deuxième partie de saison, je me rappelle d'ailleurs, j'étais au match Amiens-Saint-Étienne où tu marques ou tu égalises à la dernière seconde. J'étais là, j'étais dans le parquage, hein, je t'ai vu à Une deux une avec Wabi quand même. minute. Et tu sais, on a l'impression que chacun et que vous n'avez pas été au top. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses, parce que c'est une question qui revenait souvent et qu'on s'est posé nous entre les gars de Saint-Etienne Inside, est-ce qu'il y avait vraiment une compatibilité Kabela-Casiri? Est-ce que vous marchiez pas trop dessus durant cette saison? Comment, quel est ton Non, rapport? c'est vrai qu'on essayait des fois, et des fois, peut-être qu'il faut un peu plus de temps. Faut s'adapter aussi au jeu. C'est vrai que notre jeu avait changé aussi un peu. Parce que la première année où quand je suis arrivé, le jeu passait beaucoup par moi. Le jeu, c'était plus vers le numéro 10. Et c'est vrai que la deuxième partie de saison, ça a un peu changé. C'était surtout des ballons un peu plus longs sur Wabi. Donc, on pouvait pas être compatible à 100% parce que je pouvais pas lui donner tous les ballons ou essayer de le faire marquer beaucoup plus ou avoir plus de relations. Parce que le ballon, il venait moins vers moi. Et ça, je l'ai ressenti en première partie de saison. C'est pour ça que j'étais un peu moins bien. Mais en deuxième partie de saison, bon, je me suis dit, voilà, à un moment donné, voilà, faut élever ton niveau, faut revenir aux bonnes choses. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'après Wabi, il a eu un peu de mal aussi, peut-être. Mais ce n'est pas dû parce qu'on n'était pas compatibles. C'est que ça arrive dans une saison, tu as peut-être des coups de moins bien parce que tu es en fire, après tu descends. Il y a ton corps aussi, des fois, qui tient pas, Ouais, qui a. mais tu vois, non, je sais que Wabi, quand il évoluait dans l'axe, toi t'évoluais sur un côté. Et je sais que moi le premier, hein, il y a bon nombre de Stéphanois qui se disaient, mais putain, Rémi, il doit pas évoluer sur un côté, il doit être dans l'axe, tu vois. C'est Donc, ça. tu C'est ça, vois. mais après, ça dépend du dispositif de l'équipe, de ce que le coach il recherche aussi. Et après, comme je te dis, le jeu, il avait un peu changé. S'il mettait dans l'axe, mais qu'on faisait que des ballons longs, je servais à rien. Donc, bon, après, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que ce petit changement de jeu, il m'avait fait un peu de mal parce que le jeu venait moins vers moi. Et ça, je l'avais un peu mal vécu sur le coup. Et voilà. Ok, ouais, c'est très clair. Mais Donc, avec Wabi, on s'est jamais disputé, jamais insulté. Zéro problème, tout s'est bien passé avec Wabi, que ce soit dans le vestiaire, en dehors ou sur le terrain. Même maintenant, on se parle encore. Il y a zéro, jamais eu de problème avec Wabi. bien Et il n'y en aura jamais. Hein. Et je sûr. sais Non, que mais il n'y a là, pas. bon, on en parle, mais je sais qu'il a flambé encore avec la Tunisie et je suis content pour lui. Il a gagné les deux matchs. Là. Il a gagné deux matchs et il a marqué deux penalties deux Et fois. Sur deux pénalties, ça va lui faire du bien. ça va lui faire du bien. Bon, il est en forme. Hein.
Il est en forme, mais heureusement qu'on l'a. Bon, on va passer à la partie un peu triste pour nous. Ah, j'ai compris. On est été 2019. Bon, la saison reprend. Jean-Louis Gasset part. Gislain, printemps, est intronisé numéro 1. Alors, on va pas revenir sur est-ce que les joueurs ont poussé Gislain. Bon, on s'en fout. Non, non, mais pas du tout. Je pense que la transition, elle était normale, je pense. On a pas été voir le président, on n'a pas dit on veut Gislain ou quoi que ce soit. Je pense que Non, mais le, je me rappelle je pense que, je une pense que interview le de Yann. club, mais après, c'est vrai que dans le, c'était normal, même pour nous. La transition a été logique parce que, bon, il y a Jean-Louis, mais tu as Jean-Louis et Ghislain. Et Oui. Ghislain, c'est lui qui nous fait les entraînements, c'est lui qui, quand il doit nous attaquer, il nous attaque. C'est comme un coach, quoi. Donc, c'était, la transition, elle était logique. Et je sais ce que tu allais dire, que si Yann. C'est ça, c'est ce qu'il avait Mais, dit. ouais, mais il avait dit avant, ouais. Et après, moi, je l'ai dit à la fin, je dis, c'est normal que la transition, elle se fasse et qu'avec Gis, tout se passait bien, quoi. Il y avait zéro problème avec les joueurs. Et en plus, bon, moi, Gis, je le connais depuis que j'ai 14 ans. Dès que j'arrive à Montpellier, c'était le coach des 16 ans. Donc, voilà, je l'ai connu là. Et donc, après, je l'ai connu en CFA. Donc, je le Ouais, connaissais on est très très bien. on Et est pour très moi, proche. je pense que c'est dommage qu'il soit parti parce que je pense que il fallait encore un peu de temps parce qu'il méritait qu'on lui laisse un peu de temps. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il n'avait pas entraîné le PSG ou qu'il n'avait pas entraîné les grosses équipes qu'il fallait le faire partir très tôt. Moi, je pense que il aurait fallu lui laisser encore un peu de temps. Il méritait qu'on lui laisse un peu de temps parce que c'est quelqu'un qui aime le foot, qui aime son équipe, qui aime le club de Saint-Étienne, qui aime travailler comme un fou parce qu'il se donne à 1000% et que voilà, j'étais triste. Bon, j'étais triste de partir, de le laisser. Ça m'a fait du mal, mais aussi j'étais triste quand il est parti, ouais. Voilà, on va revenir sur ce départ. Donc on l'a dit, hein, l'entraînement reprend. Gislain est intronisé numéro 1. Bon, tout se passe bien. Je crois qu'on fait un premier match amical contre Clermont. Non, le premier match amical, c'est contre Andrézieux. André, C'est toujours pardon, le premier match, voilà, c'est toujours le à Clermont. voisin. Exact. Ouais. Ouais, donc Non, mais en de. fait, moi, je vais t'expliquer parce que c'est vrai que tout le monde a été surpris, même moi au Ah, début. mais, alors pour recontextualiser le truc, il y a un stage aux États-Unis. Mais ça s'est fait, enfin, ça s'est fait avant, mais moi, ma décision a été presque prise avant. Donc. Mais alors, moi j'ai une question, et je pense que c'est la question que tout le monde se pose, mais on venait de finir quatrième. Tu avais rempli ton devoir, entre guillemets, d'envoyer Saint-Étienne, Ouais. presque, Presque, oui, presque. presque, J'avais mais quand même ce petit ce truc, petit ouais. rugueux. Mais on était en Europa, c'est ce que tu voulais, entre guillemets, l'Europe. Ouais, exact. T'étais dans un club où on te sentait épanoui, honnêtement, dans un vestiaire que t'aimais. Ouais, Gislain surprise. arrive, on sait que t'es très proche de lui. Très, très proche. Pourquoi la Russie? Pourquoi Krasnodar? Et c'est pas Faut une enlever critique, le. hein, c'est vraiment. Oh, mais non, mais je vais t'expliquer, moi, et je vais te dire comment ça s'est passé dans ma tête, parce que j'ai pas besoin de mentir Ah, ou bien quoi que sûr, ce bien sûr. soit. Je vais dire les choses comment ça s'est passé et ce que j'ai pensé à ce moment-là et après. Comme je t'ai dit, ma première saison à Saint-Étienne, dans le jeu passait par moi, surtout après quand Jean-Louis est venu. Voilà, c'était le jeu passé par la technique, le numéro 10. La deuxième saison, ça a été un peu différent. Ça a été un peu différent parce que j'aimais bien venir chercher les ballons, jouer. Et la deuxième saison, c'était un peu moins ça. C'était rester un peu des ballons longs. Donc dans ma tête, j'aime le club, j'aime les joueurs. Mais ce qui me fait plus chaud au cœur, c'est de jouer au football. Moi, c'est d'être heureux quand je joue. Et c'est vrai que la deuxième partie de saison, des fois, même à l'entraînement et tout, mais j'avais l'impression que je jouais pas mon football, je jouais pas trop, donc parce que le ballon il venait moins vers moi. Moi j'aimais bien toucher le ballon, essayer de jouer, et j'avais ce petit truc. Et donc on démarre la saison, La la prépa. pré la prépa avec Gis. Gis, voilà, j'ai pas d'idée de partir, rien du tout à ce moment-là. Dans ma tête c'est Saint-Étienne, mais zéro idée.
Et bon, j'ai mon agent qui m'envoie un message et qui me dit, Rémi, on a deux clubs, parce qu'il y en avait deux. Il y a deux clubs russes qui te veulent absolument. Donc, chaque année, je savais que les Russes, ils me voulaient. Et je lui dis, non, là, pour le moment, j'ai pas envie de partir, je suis bien, j'ai pas envie de partir. Et il me dit, mais regarde, c'est des bons clubs. Je dis, ouais, mais là, pour le moment, laisse-moi, je suis en prépa, je viens de commencer le premier match, là, le premier match. Je veux d'abord voir comment ça va se passer. J'ai pas envie de partir. Puis on fait les matchs amicaux et dans les matchs amicaux je suis pas épanoui, je suis pas épanoui à 100% parce que je sais que cette saison ça va être un peu la même que la dernière, que j'allais pas trop toucher de ballon. Pourtant il y avait Yann, il y avait Wabi, il y avait tout le monde, tous les gens, il y avait Denis qui arrivait. Attends, Denis que j'aime bien et que j'adore. J'aurais aimé jouer avec lui et avec les autres, mais dans ma tête, c'était moi, je veux jouer au ballon. Ce que j'aime, c'est le jeu. Et je sentais que ça allait pas être la même chose. Donc, dans ma tête, déjà, c'est un peu tilté. Donc, les matchs y passaient. Et après, mon agent qui est revenu vers moi, qui me dit, Rémi, regarde, regarde. Et je dis, bon, je vais regarder. Je vais regarder ce que c'est. Montre-moi les vidéos, comment c'est, comment ça se passe. Et à partir de là, j'ai commencé un peu à réfléchir, à me dire, peut-être que si je dois partir, je dois partir dans un club qui joue l'Europe, quoi. L'Europe, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Et ça se trouve que Krasnodar jouait la qualif pour la Ligue des Champions. Et que, à ce moment-là, c'était Porto. C'était, on gagnait, non, c'était qui? Non, Ouais, c'était Porto, c'est Porto. Porto, et que il y a match aller-retour. Et qu'il me voulait pour la Ligue des Champions, quoi. S'il me voulait que ça se fasse vite. Donc là, donc j'ai commencé un peu à réfléchir. Puis, dans les matchs amicaux, à la fin des matchs, je sentais que ça n'allait pas être la même chose. Je n'allais pas être épanoui. Et bon, j'en parle à mes parents, j'en parle à ma famille. Eux, personne n'était pour que je parte. Personne. Ils n'avaient pas, pour moi, pour eux, c'était un peu loin la Russie. Ils avaient peur de la Russie et que Saint-Étienne, c'était le club qui me convenait. Mais comme j'expliquais, j'ai pris, là, c'est ma propre décision. Il n'y a personne qui m'a dit les choses. J'ai dit, bon, je sens que le jeu, ça ne va pas être la même chose. Je ne vais pas m'épanouir. Peut-être qu'on va faire une saison difficile. Et peut-être que, voilà, je sais que Krasnodar, je peux peut-être jouer l'Europe. Comment on appelle ça? Donc, dans ma tête, tout seul, je prends ma décision, même si les dirigeants de Saint-Étienne viennent me voir, me parler. Parce que je leur ai dit que je voulais partir. J'ai une belle offre. Après, il faut savoir que c'est une belle offre pour Saint-Étienne. Bien Ils m'ont sûr. pris à 5 millions, je crois, un truc comme ça. Et là, ils proposaient 12 ou 13, un truc comme ça. 14, il me semble. Oh, non, 12 ou 13, hein. 12 ou 13 millions. Bon, c'est du net, hein, donc pour moi, Saint-Étienne, c'était une bonne opération pour eux parce que c'est un bon transfert. Après, bon, ils perdent un cadre, un joueur important aussi. Après, c'est autre chose. C'est eux qui ont décidé, qui ont accepté. Ils auraient pu très bien de dire non. Mais voilà, après, dans ma tête, j'avais dit à Gis, même si ça m'a fait du mal, ça a été dur de l'annoncer à Gis. J'ai dit, Gis, écoute, j'ai une offre là, je peux pas la refuser. Parce que déjà, d'une, ils me proposaient un très bon contrat. Bon, ils m'ont proposé un très Non, mais t'es honnête, hein, c'est bon contrat. Non, non, je suis honnête. Très bon contrat. C'est un club nouveau, avec un stade, il est incroyable. Une très belle équipe. Le coach, il me veut. Et qu'on est susceptible de jouer l'Europe aussi. Donc, il y avait tout ça qui rentrait en compte. Et en fait, tout ce que j'aimais était là, quoi. Il y avait le salaire, le jeu, le coach, les infrastructures, l'Europe, la Ligue des Champions. Et J'ai ça a dit, été ben. question à Gislain. Ah, mais. Il ne voulait pas. Il m'a dit, tu es fou. J'ai dit, juste, sache qu'il propose tant à Saint-Étienne. Et je pense que ça peut être bien. Après, moi, juste, je te le dis. Je peux pas refuser une offre comme ça. J'avais 29 ou 30. J'avais 29, je crois. 29 ou 30, je me rappelle plus. Gis, c'est un contrat 3 ans. C'est un très bon contrat pour moi. Je vais être dans une nouvelle expérience. Un club qui est nouveau et qui va jouer l'Europe. Un club voilà, qui est bien. Puis c'est dans le sud de la Russie. Il fait beau. C'est pas le froid comme dans le nord. Donc j'ai dit. J'ai pris ma décision. Je sais que j'allais pas être épanoui dans mon jeu parce qu'on me laissait pas faire peut-être ce que je voulais. Et ça m'avait fait
Ça m'a donné cette envie de partir. Et dès que j'ai pris ma décision, je l'ai prise toute seule. J'ai dit à mon père, papa, écoute, je veux partir. Ça y est, c'est décidé. On fait tout pour partir. Il me dit, hey, fils, t'es sûr, hein? Parce que à chaque fois, il me disait, elle m'a dit, est-ce que t'es sûr? Je dis, papa, j'ai pris ma décision. Maintenant, voilà, je veux partir. Mais ça parlait qu'en interne. En externe, il n'y avait personne qui était au courant. Il y avait zéro truc à fuiter. Bon, parce que par respect pour le club et pour les supporters, ça ne sert à rien de discuter pour pas mettre les clubs en porte-à-faux ou moi aussi. Donc, ça s'est bien fait en interne. Donc, après, on part en stage, mais c'est juste avant le stage. J'avais dit déjà avant le stage à Gis, même en stage à Washington. Gis, là, il faut prendre une décision. Il y a bientôt les matchs qui vont débuter et voilà, ils ont besoin de moi, ils me veulent, ils sont à fond sur moi. En plus, ça fait quelques années qu'ils étaient à fond sur moi aussi, que même quand j'étais à Marseille, je savais les clubs russes me voulaient, mais voilà, je voulais pas partir. Et là, j'avais pris ma décision tout seul, j'ai dit, bon, je vais prendre ma décision et voilà, ça s'est fait. Gis, il voulait pas, en aucun cas, il voulait me laisser partir. Parce qu'il a dit non, il me disait non, non, non. Et ça lui a fait, je pense que ça lui a fait du mal et je pense qu'il s'est senti un peu trahi. Ça, c'est vrai que je l'ai vécu quand j'ai mangé avec lui pendant la trêve en décembre, quand je reviens, parce qu'il dit après Saint-Étienne, le lâche. Quand t'es plus. Quand je reviens en décembre pendant les vacances, je mange avec lui. Et c'est vrai que quand je discute avec lui, voilà, je sens qu'il est triste parce que ça lui a fait du mal que je parte et que je le lâche, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait mal. C'est vrai que ça m'a fait mal de. Sur le coup, ça m'a fait mal parce que je l'aime, Gis, depuis tout petit. J'ai grandi avec lui, il m'a fait pleurer quand j'étais en CFA. Il s'est passé des choses avec Gis et c'est vrai que c'était trop dur de le lâcher parce que c'était Gis et de partir. Si c'était un autre coach, même pas, j'allais parler avec le coach tous les jours. Je disais, je pars et je m'en vais quoi. Y a pas. Là, c'est vrai que je voulais partir, mais j'avais quand même ce truc de lâcher Ghislain et le club. Mais j'avais pris ma décision dès que ma décision dans la tête a été prise. Après, c'est un beau transfert pour Saint-Étienne. Il m'achète 5, il récupère 13. Bien sûr. Il faut une bonne affaire. En termes de monnaie, oui, il faut une bonne affaire. Après, faut. Après, ils ont accepté aussi, mais. Après, moi, je te dis Mais honnêtement. moi personnellement, si je suis président. Même si après c'est dur de garder un joueur qui dit il veut partir parce que dans sa tête il va pas être à 100% ou quoi, mais tu peux peut-être essayer de le convaincre, même s'ils ont essayé, hein, ils ont essayé un peu, ils sont venus me voir à la maison, David Ventier était venu me voir pour discuter, pour essayer de m'amadouer, ce qui est normal, hein, ce qui est normal à ce moment-là parce que c'est un joueur cadre de l'équipe, mais moi personnellement j'aurais jamais accepté ce transfert, j'aurais tout, je serais allé voir le joueur. Comment? J'entends pas. En tant que dirigeant, t'aurais jamais accepté ce Non. transfert? Non, Non. parce que même Ghislain, il me disait, c'est-à-dire que Rémi, si toi tu pars, ça veut dire qu'un cadre il part. C'est-à-dire que peut-être Wabi il veut partir, peut-être Yann il veut partir, peut-être Debus il veut partir. Ça peut casser quelque chose. Et même, on avait créé un groupe, une équipe pour jouer l'Europe, faire une autre belle saison, pourquoi pas jouer la troisième place ou la deuxième, pourquoi pas. Donc, et en plus, je suis un joueur que les gens ils aiment bien, que les sportifs aiment bien, que l'équipe aime bien, tout le club. Donc, je pense que c'est pas comme si ça faisait 5 ou 10 ans que j'étais au club que tu dis, bon, allez, tu peux partir. Moi, personnellement, bon, après, le transfert est à 13 millions, c'est dur de refuser, mais je ne me serais pas laissé Mais partir. alors, attends, moi j'ai une question. Si tu ne te serais pas laissé partir, quelle aurait été ta réaction si les dirigeants t'avaient gardé coûte que coûte? Ah ben sur le coup, vu que j'ai pris ma décision, peut-être que je l'aurais mal pris sur le moment. Mais si après, bon, après, on peut pas savoir. Mais après, bon, je sais que même ma famille était pour que je reste. Donc ça m'aurait fait gamberger un peu, respirer. Ghislain, il voulait que je reste donc aussi. Les joueurs aussi, les dirigeants. Sur le moment, c'est normal que je sois énervé parce que je dis je veux partir et que je pars pas. En plus, comme je t'ai expliqué, mon contrat avec le de Saint-Étienne et le contrat en Russie, il est totalement différent. Donc, il y avait ça aussi qui me disait, putain,
Ouais, c'est quelque chose quand même, c'est fait partie de la vie. Et il y avait tout ça, donc c'est vrai que sur le coup, je l'aurais mal pris. Mais peut-être qu'avec le temps, vu que je ne suis pas quelqu'un de trop de rancunier, sur le coup, moi, je peux pardonner beaucoup de choses. Et j'aurais accepté, je suis pas méchant, j'allais pas faire la. J'ai jamais fait, mais je l'aurais jamais fait, surtout à Saint-Étienne, j'aurais pas fait de problème, j'aurais pas mis la merde, j'aurais jamais mal parlé à quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais voilà, après, c'est très dur pour un club de refuser une offre de 13 millions pour un joueur de 29-30 ans, surtout qu'ils m'ont acheté 5 l'année d'avant, enfin un an avant. Donc Ouais, bravo. c'est dur de me laisser partir, mais bon, mais c'est très dur aussi d'accepter. Après, bon, ils ont pris leur choix et c'est normal. C'est Bien beau sûr. pour Saint-Étienne de récupérer 13 millions sur moi. Donc voilà, mais ça m'a fait mal parce qu'à la de base, j'avais zéro envie de partir, mais en aucun cas j'ai pensé partir. Donc c'est vrai qu'après le début, ça m'a fait cogiter. Donc après je pars et les gens ils ont été surpris quoi, personne n'a compris. Mais je savais où j'allais parce que j'ai dit si je dois partir de Saint-Étienne, comme j'ai dit à ma famille, à mon agent, si je dois partir de Saint-Étienne, je veux être sûr de où je vais. Donc ils m'ont envoyé plein de vidéos du club, de plein de On va reparler de Krasnodar après. Et juste avant ça, j'aimerais faire un petit récap pour résumer tes 2 années vertes. Je vais te poser plusieurs questions et tu dois me répondre. Tu n'as pas le droit de te citer toi, OK? Donc, D'accord. durant tes 2 années vertes, ça Des a fois, été qui le plus chambreur dans le vestiaire? Hassan Diouf. Hassan Diouss. Avec qui tu es encore Hassan. en contact ou pas? Ah, mais toujours. Mais sur Snap, maintenant, tu peux être en contact avec tout le monde. Donc, ça, c'est bien avec les réseaux. Le plus chambreur, Hassan Diouss. Le plus sérieux dans le vestiaire, le plus. Le plus Le, sérieux? ouais, le plus sérieux. La rue. La rue? Il est sérieux, mais attention, des fois, il fait des blagues, hein. Mais vu que c'est la ruf, on sait pas, sa blague, elle peut être drôle. Mais vu que c'est la ruf qui le dit, on réfléchit 2 ou 3 secondes, et après on rigole. Parce qu'il fait des blagues, parce que quand il s'entend bien avec certains joueurs, on rigole, quoi, voilà. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est important aussi de dire que c'est un mec bien parce qu'il a cette image un peu. Ah, la ruf, personnellement, moi, je me suis toujours bien entendu avec lui, j'ai zéro problème. Il a eu zéro problème avec les joueurs dans le vestiaire. Il a l'air peut-être sérieux. Mais c'est quelqu'un de très bien et sans la ruf, hein, on Oui. aurait peut-être que la première année on peut peut-être descendre, peut-être, et la deuxième année on finit pas quatrième s'il n'y a pas la ruf. La ruf, quand je suis là et même quand j'étais pas là, je pense que la ruf il a fait énormément de bien à Saint-Étienne. Je pense que pour moi dans la décennie il fait partie des joueurs très importants dans le club de Ah bah Saint-Étienne. je pense que c'est un des joueurs les plus importants de la Il décennie. franchement il mérite beaucoup de respect, la ruf. Et je Beaucoup. suis très triste de ce qui lui est arrivé. Voilà. On va pas revenir On ne là-dessus, peut pas revenir parce que chacun a fait ses choix. Donc, mais je pense qu'on est nombreux à avoir ce ressenti-là. Sans te citer toi, le plus doué techniquement. J'allais dire Yann, mais j'ai une image de Yann à l'entraînement Je où il vois, tombe sur le ballon. je vois l'image dont tu parles. Elle est dépassée au J'ai zapping. Ouais, parce que j'ai la vidéo sur mon téléphone. Le plus doué techniquement, j'aimais bien. Ah. Bon, il y a Wabi tout, mais j'aimais bien Salibur. Ok. Oh, il était très, très fort. À l'entraînement, il était incroyable. Il est trop fort. Ouais. Ok, Yannis Salur. Le plus gueulard dans le vestiaire. Le plus gueulard? Ouais, celui qui va, voilà, qui. Alors. Wabi, il aime bien parler. Il aime bien avoir la voix haute. Ouais. Ouais, mais viens, ouais, viens, allez. Mais gentiment, pas méchamment. Non, non, pas méchamment, toujours dans le respect. Et 2 choses pour finir ce résumé stéphanois. Un mot pour le chaudron. Incroyable. Incroyable. Merci. Non, un grand merci déjà. Un grand merci parce que, bon, après, à la fin de la première saison, il ne faut pas oublier que je suis blessé. Bon, Romain m'est triplé. Ouais, contre Lille. Je Il met un vrai triplé. me rappelle de ce match à la fin de Lille, t'es avec les béquilles, C'est t'étais ça, pas là. c'est ce que j'allais te dire en fait. Et savoir que quand je regarde la vidéo, parce que des fois on me l'avait envoyée, mais même quand je l'ai sur mon téléphone, je la regarde. Voilà, merci, merci parce que c'est des émotions qu'on aime vivre en tant que joueur et c'est magnifique, magnifique parce que tu as les larmes au fond de toi.
vois, de joie. C'est trop beau, c'est incroyable. Et pour finir, si tu devais résumer tes 2 années vertes, là, rapidement. Si je vais résumer, S'il alors y a... je vais dire deux mots. Allez. Un, magnifique, et de deux, triste parce que je voulais leur donner la Ligue des Champions, mais je leur ai pas donné. J'ai encore ce petit regret là. Après, Mais bon, c'est parti. magnifique quand même. Comment? Mais magnifique quand même. Ah, magnifique, mais magnifique, j'irai toujours. Franchement, je ne dirai jamais quelque chose de mal de Saint-Étienne parce que faut savoir que quand j'étais à Marseille, j'habitais à Cassis. J'habitais là, je regardais là, j'étais vu sur la mer. Je pense que j'avais un des meilleures vues de Cassis. Et quand on m'a dit, mais Rémi, tu fais quoi? Tu vas à Saint-Étienne dans le froid, il n'y a rien. Je dis, mais moi, j'y vais déjà d'une. C'est parce que j'aime le foot. Et après, parce que je me sens bien dans le club. Quand je me sens bien dans le club, je veux retourner dans ce club. Et les supporters. Moi, la ville, même si c'est pas Marseille, c'est pas Paris, c'est pas les grands buildings, mais je mangeais bien. Quand je voulais me promener, j'allais au cinéma, je savais où j'allais. Et tout s'est bien passé. Les gens, ils étaient gentils avec moi. Du moins, ça me suffit. Ça me suffit. Même si j'aime bien des fois les grandes villes avec les beaux trucs, mais Saint-Étienne, ben, je suis très content d'avoir connu cette ville. Et peut-être que j'avais besoin de redescendre peut-être aussi un peu, de connaître ça, l'humilité, et voilà, de voir d'autres gens plus sincères, quoi. Parce qu'au début, j'arrive, je dis, mais parce que les gens du Sud, ils sont très un peu chambreurs, mais un peu, de temps en temps, un peu faux cul, il faut dire les choses, hein. Et à Saint-Étienne, des fois, quand au début on me disait les choses, dans ma tête, je réfléchissais, mais est-ce qu'ils disent pour gentiment ou pour être méchant? Et en fait, j'ai compris que tout ce que les gens m'ont dit depuis le début, ils étaient tous sincères. Et ça m'a tellement touché que voilà, j'ai préféré quitter le soleil, la vue, la piscine et être dans mon petit appart avec ma copine où tout s'est bien passé et que voilà, je vais vivre des deux belles saisons et c'était pour moi voilà, inoubliable et je l'oublierai jamais. Bah écoute, franchement, Amir, on t'oubliera jamais non plus. Ah, c'est gentil, Je te c'est le dis. gentil. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un très bon résumé de tes 2 années vertes. Je pense que c'est important aussi pour nous rapidement de parler de ta vie en Russie. Ouais. Voilà, de savoir comment ça se passe. Alors, voilà, tu as été transféré en Russie. Il y a eu ce match contre Porto. Vous vous qualifiez, il me semble, hein, contre. Alors, faut savoir que on joue Porto. Et tu. En fait, on joue Porto. L'aller et le retour, on gagne. Ouais. Dès que j'arrive, on joue Porto au premier tour de barrage. C'est incroyable. Donc, Eh ouais. on gagne, ça se passe bien. Franchement, ils me mettent dans des conditions incroyables. Faut savoir que voilà, j'avais un chauffeur qui était avec moi tout le temps. J'étais à l'hôtel, je manquais de rien. Il y avait mon père avec moi. Il y avait un traducteur parce qu'il y a des traducteurs sur le terrain, dans le vestiaire, de partout. Ils m'ont mis dans des conditions incroyables. Franchement, le président, mon respect pour ce président, pour le propriétaire, parce que un homme incroyable. Voilà, il fait tout pour son club, pour ses joueurs. Il est à fond dans le foot. Et c'est vrai qu'on joue Porto, on se qualifie. Après, on joue Olympiakos, le dernier tour, Olympiakos. Et je fais 20 minutes et je me fais ligament croisé. C'est mon 3 ou 4e match. Donc, dès que j'arrive, c'est dur. C'est dur parce que je dis, putain, je viens d'arriver. J'ai envie de jouer la Ligue des Champions. Comment je vais faire pour aider mon équipe? Mais il faut savoir que je rentre à Krasnodar et le président, il vient me voir en soin. Je lui dis, Rémi, t'inquiète pas. T'en fais pas pour ça. L'année prochaine, on va refaire une autre équipe et on va rejouer la Ligue des Champions. T'inquiète pas, te prends pas la tête. Et ça, c'est un message fort parce qu'il peut te dire, bon, on te met un peu à l'écart, tu as fait 3 matchs, on te met à l'écart ou voilà. Mais non, il m'a pas. Le propriétaire lui-même, hein, parce qu'il vient trois Ah là, il venait 2 à 3 fois par semaine en hélicoptère à l'entraînement nous voir parce que il veut tout savoir, les gens blessés, les joueurs, comment ils vont. Il connaît tout par cœur. C'est propriétaire, c'est un milliardaire, hein. C'est pas un président qu'on met comme ça pour. Non, non. C'est lui, c'est ses sous. Il aime le foot, il aime son club, il aime ses joueurs. Il fait tout pour que tout le monde soit bien. Et ça, c'est super important parce que je l'ai ressenti. Moi, je ne le connaissais pas au début. Et ouais. quand il m'a parlé, il m'a mis en confiance. Il m'a dit,
remets-toi ta blessure, t'inquiète pas, l'année prochaine, on refait une belle équipe et on va jouer avec des champions. Et ça, c'est un message qui m'a marqué parce que je me blesse, donc je suis blessé. Je me fais ligament croisé et les deux ménisques, donc c'est très dur. Mais dans ma tête, j'avais déjà l'envie de revenir et de jouer avec des champions. Je sais pas pourquoi, je suis fou, c'est que des fois je suis fou, mais je suis un compétiteur et j'avais envie de leur donner avec des champions parce qu'ils méritaient. C'est un peu comme Saint-Étienne, mais différent, parce qu'ils sont moins fanatiques, parce que c'est moins, il y a moins de supporters. Mais j'avais envie de leur donner à tout le monde, à tous ces gens, parce que le staff et tout sont tous gentils. Je dis, je vais revenir et je vais leur donner avec des champions. Et donc, ça se passe, je pense, j'en ai pour 10 mois, parce que j'ai un peu des difficultés. Il y a le Covid en plus qui m'a Ah aidé parce que ça a rallongé un peu le temps de ma blessure. Et je reviens en fin de saison. Et en fin de saison, on finit troisième. Donc, on fait les barrages La Ligue des pour Champions. la Ligue des Champions, mais un seul match contre le PAOK. Et je dis dans ma tête, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est l'occasion là de leur montrer que tu es venu pour la Ligue des Champions, qu'ils t'ont pas pris pour rien, que tu dois te qualifier. Et je marque à l'aller, je marque au retour, et on se qualifie pour la Ligue des Champions. Et franchement, ça m'a mis un soulagement. J'ai dit, putain, ce club, franchement, il mérite. Et pour rien. Voilà, ils m'ont pas pris pour rien. Donc, j'ai envie de leur rendre parce que, surtout au président, il méritait, au président, au directeur sportif aussi, Vladimir, avec qui je m'entends super bien, qui est là tout le temps avec nous, il est tout le temps à l'entraînement, il veut tout savoir aussi, il donne des conseils aux joueurs. J'ai envie de leur donner ça. Et je pense que ma blessure, ça m'a permis de me redonner un autre objectif, de revenir encore plus fort. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Donc, j'ai dit là, voilà, voilà, avec des champions, on rentre dans l'histoire de Krasnodar parce que c'est la première fois où ils jouent en Ligue des Champions. Ils avaient joué qu'en Europa League auparavant, même contre des clubs français. Donc là, maintenant, c'est de l'Europe, quoi. C'est le plus gros, la plus grosse coupe. Et maintenant, c'est autre chose. C'est un beau groupe en plus, vous. C'est Rennes, Chelsea, Chelsea, Séville, Rennes. Rennes. Il faut savoir un truc, attends. Il faut savoir un truc. Vas-y. Que je fais tout pour jouer avec des champions. Donc, on se qualifie. J'attends ce moment Un peu Covid. avec impatience. 2 jours avant, j'ai reçu un appel et Rémi reste à la maison, ne viens pas au vestiaire, t'as le Covid. Comment ça, j'ai le Covid? Je me sens bien et tout, que je peux pas avoir le Covid. Il fait si, si, en plus, le lendemain, on partait à Rennes. Je dis non, attends, demain, on part à Rennes, refaites-moi un test, refaites-moi un truc. Je fais non, Rémi, là, on a fait 2 tests parce qu'il y a le test Ligue des Champions et le test club. On faisait tout le temps un test tous les jours, nous. Il venait à la maison, on faisait le test. Et donc, tous les jours, il venait. Et après, il y avait le test de Ligue des Champions. Il me dit, Rémi, les 2 tests, c'était positif. Ah, j'ai fait non. Franchement, j'y croyais pas. Au début, je pensais dans ma tête, en une seconde, c'était une blague. Mais c'était pas une blague. Donc, je loupe les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Ça m'a. Mais j'ai pris un coup quand même. Le Covid, il m'a. Ouais, il t'a Ah, dit. il m'a séché, il m'a séché. Franchement, il faut savoir qu'il m'a séché. Pendant 21 jours, j'étais allongé. Je ne pouvais pas trop bouger. Je me sentais pas bien. J'étais mou. J'avais plus de goût, plus d'odorat. Je toussais un peu. J'avais pas la voix un peu enrouée. Bon, j'avais pas de fièvre, donc ça allait. Donc, j'ai mal vécu le Covid. Bon, après, ma copine avec moi, donc ça m'a aidé aussi, qu'elle soit là, qu'elle m'aide aussi. Et après, bon, je reviens. Et bon, on peut se qualifier pour l'Europa League, quoi. La Ligue des Champions, c'était un peu fini parce qu'il y avait Chelsea et Séville qui étaient devant. Et on arrive à se qualifier pour l'Europa League, quoi. Et ça, c'est beau. C'est beau parce qu'on finit devant Rennes, voilà, qui avait fait une belle saison auparavant. Donc voilà, je joue avec des champions, je joue l'Europa League aussi. Bon, on se fait disqualifier. Et après, on finit la saison en difficulté parce que je pense ça nous a fatigués un peu, je Ah mais tu pense. fais quand même, une belle saison, hein. Tu marques 11 buts. Ah oui. C'est ça, en tout, je fais 11 buts, c'est ça exactement. Ça. Ouais, je fais une bonne saison, ils sont contents de moi. Je finis joueur du club de l'année aussi. Je finis meilleur joueur du club par les supporters. Donc voilà, je pouvais leur rendre que comme ça. La première année, je me blesse. Alors, je fais 3 ou 4 matchs, même si ils ont vu que le joueur que j'étais, mais ils n'avaient pas tout vu parce que c'était 3 ou 4 matchs. Mais l'année d'après, voilà, il fallait que je leur montre quoi, qui j'étais, que.
et que je suis pas là pour les vacances, quoi. Je suis pas là en Russie à prendre mes sous et à rester enfermé à jouer au jeu. Non, 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 je suis là. Moi, j'ai des objectifs personnels. Je veux gagner. Je veux jouer la Ligue des Champions. Je veux jouer le titre et gagner une coupe. Donc, j'avais tout ça en tête. Et voilà, je voulais leur donner. Et voilà, ils m'ont nommé meilleur joueur. J'étais content. C'est-à-dire que je leur ai donné du plaisir et qu'ils étaient contents de moi de ce que je faisais. Ouais, Et c'est clair. là, c'est ma dernière saison. Là, c'est ma dernière année de contrat. Et voilà. Ouais. Pour l'instant, franchement, je trouve que des 3 années, je pense qu'on a la meilleure équipe là en ce moment. Je pense qu'on peut faire un beau truc. Je suis content des recrues, de ce qu'ils ont fait. Bon, après, il y a un ou deux joueurs qui sont blessés, qu'ils vont revenir en novembre, décembre. Ça va nous faire du bien et je pense qu'on peut faire une très, très bonne saison. Je trouve que, voilà, je le sens bien. J'espère que je ne vais pas me tromper. Tout peut arriver dans le football, mais je pense qu'on peut faire une très bonne saison parce qu'on a une très, très bonne équipe. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Et tu disais que c'était la dernière année de contrat, toi, là. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que dans le foot, on ne sait jamais, mais c'est quoi la suite pour toi? Tu C'est te vois là. comment? Sache que ça fait quoi, 1 mois là où c'est vrai que on me pose. Je parle beaucoup avec mon frère, avec ma famille, avec mes amis, même avec ma copine aussi un petit peu par rapport à l'année prochaine. Mais pour le moment, j'ai mes petites idées en tête. J'ai des petites idées, mais pour le moment, par respect par le club, parce que je joue encore à Krasnodar, je me donne à 1000% pour mon équipe. Pour leur donner la première ou la deuxième place ou la troisième, faire le maximum sur le terrain. Et comme j'ai dit, je prendrai ma décision soit peut-être en décembre, parce que c'est en décembre que je dois discuter avec le club, avec mon club d'abord. Et après en juin, voilà, je prendrai ma décision. Mais avant de parler ou quoi que ce soit, mon club sera informé en premier. C'est avec eux que je discuterai de tout ça quand ils voudront. Donc voilà, pour le moment, je ne me prends pas la tête du tout. J'ai mes petites idées en tête. Si j'ai des choses à dire, je leur dirai à eux. Ils me comprendront ou ne comprendront pas. Ou eux me diront les choses si je les comprends ou si je ne les comprends pas. Mais voilà, pour le moment, j'ai mes petites idées en tête. Je vais voir. D'abord, je fais ma saison, je me concentre. Et en décembre, je discuterai sûrement avec eux de comment on voit la suite. Et après, je prendrai ma décision. Hein. Bon, bah, Rémi, 1h16, je pense qu'on Ah, a tu me fait l'avais un. dit. T'avais dit, hein? T'as vu? J'ai même pas vu le temps passer tellement c'est agréable et sympa de parler avec toi, Avec de se remémorer tous plaisir. ces coups. Donc, au nom de Saint-Étienne, je te remercie énormément. Comme Avec je t'ai dit, plaisir, avec plaisir. Avec ça plaisir, va faire un énorme. je suis tout le temps. Donc, je suis beaucoup sur les réseaux. Donc, je suis beaucoup les comptes. Je vois beaucoup de trucs de synthé. Donc, je vois tout. Je vois tout. Et voilà. Donc, bon, je vais finir moi la fin. Je souhaite que Saint-Étienne fasse une très belle saison, que voilà, s'ils peuvent finir dans les 5 premiers, ben ils le feront. Je veux dire aux supporters, merci encore pour tout, du fond du cœur. Et voilà, merci du fond du cœur. J'ai connu que du plaisir, c'était un pur bonheur, même s'il y a eu des difficultés, mais vous nous avez donné confiance et on est revenu. Donc voilà, merci. Et faites la même chose avec les joueurs qu'il y a aujourd'hui. Certains, ils méritent qu'on les aide aussi. Parce que des fois, je vois des trucs où voilà, je suis un peu triste par rapport à certains trucs. Mais voilà, ne lâchez pas les joueurs. Ils méritent d'être dans les bonnes conditions et vous pouvez le faire parce que vous en avez les moyens. Et allez les verts. Et allez les Verts. Un petit cœur. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi. Merci à toi. À très vite. Et le peuple vert ne t'oublie pas, je te le promets. Aussi. Merci encore. Ciao Rémi.